On continue sur le net. On y va. Qui en est? Qui me suit? Patrice? Ok. J'ai toujours compté sur toi. Les autres? Non. Personne. On bosse 15 ans ensemble. Personne ne me suit. Incroyable. Bon, Patrice, on va où? Bah, il y a l'Ukraine. La Syrie, c'est pas mal chaud aussi. Sinon, il y a le Soros Lacano Pro qui commence demain. Le Soros Lacano Pro. Très bon, ça. Faites ta valise. Faites ta valise. On file à Lacano. Oh, génial. Lacano Pro. On va commencer par ça. Votre chaîne locale rend l'antenne. T'as vu, j'ai mis une petite chemise. Petite chemise, voilà. Je trouve que ça fait plus jeune, plus... Bah, surf, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Plus surf. Bah, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Demain, je mettrai un t-shirt. Ouais, je vais me fondre parmi la population surf. Ça, c'est cool. Bon, tu me lances. Hein. Attends. Non, trop jeune. Trop vieille. Eh bien, voilà, nous sommes à Lacano. On est arrivé. On va vous faire un petit tour du village, des concerts. Et voilà, ça commence maintenant. T'as vu, Bertrand, je sais pas si t'as vu, il y a la grande roue, là. Ouais, j'ai vu, ouais. Ça te dit d'aller faire des plans, là-bas? Non, franchement, non, c'est loin, c'est ouais, haut. C'est pas loin, c'est à 100 mètres, puis ça peut être cool, on peut voir tout le village et tout. J'ai pas peur, c'est pas la question, j'ai pas peur. Je ne sais pas si c'est adapté, c'est tout. Ok, j'ai pas peur, de toute façon, j'ai pas peur. On peut y aller, on peut aller faire un tour. Je te suis, Bertrand. Au moins, on arrive en bas, on voit, on regarde. T'es sûr, hein? Ça va vite, hein? Ah ouais, ça va vite. J'ai le vertige, Patrice, putain, tu me refais pas ça! C'était très très bien. Une idée de merde. Non, tu casses les couilles! On est là pour filmer le Lacano Pro, là, et tu te prends pour un... Dernière fois, je te préviens, dernière fois. Le Lacano Pro, c'est un village de commerçants. C'est aussi des concerts. Putain, Patrice! Concentre-toi un petit peu, là. Le Soros Lacano Pro, c'est aussi... Tony. Tony, c'est un petit peu le Thierry Roland du surf. C'est aussi des filles, des très belles filles. Ça va les filles? Tu peux y aller s'il te plaît, on est en train de bosser là. Ouais. Je crois que c'est une bonne idée. C'est pas pour des princesses, des trucs. Pff, un peu boulard, hein. Un peu boulard. Le Soros Lacano Pro, c'est aussi une belle bande de voyeurs. Pervers. C'est aussi des vagues. Oh, enculé! C'est aussi, bien sûr, des surfeurs. T'as bien pris un surfeur là, hein. T'as pas pris encore des fesses. Hein. Le Soros Lacano Pro, c'est aussi une belle compétition de Candy Crush. C'est aussi un coin presse. Allez, je vous emmène, on va aller voir ce que pensent les gens du Soros Lacano Pro. Venez. Bonjour messieurs, vous êtes venus pour le Soros Lacano Pro? Vas-y, dis-moi un peu plus sur ton école de surf. Bah, on est là-bas au fond, sur la plage sud, et on surfe à plein temps le matin après. Ouais, c'est chiant, viens. Bonjour mesdemoiselles, vous connaissez un peu les Français qui participent ou pas? Il y a Charlie Martin qui a gagné l'année dernière. Ouais. Un petit mot en encouragement pour Charlie Martin. Ah bah on espère qu'il va donner le meilleur et puis bah qui le meilleur gagne. Alors il y a un autre Français, Manuel Ferrara. Un petit mot pour Manuel. À toi. La deuxième. Bah également. Hein, Un bon ride pour Manuel. Oui, qui donne tout ce qu'il peut. Alors, en fonction des conditions aussi, hein, mais bon. Je pense qu'il va donner tout ce qu'il peut, connaissant Manuel. Merci beaucoup les filles. Voilà, donc là je suis à côté de Rémi, un surfeur. Alors Rémi, comment ça se passe? Tu penses que t'as tes chances? Tu penses que t'es bien à la cano? Yeah, it's very nice. Yeah. I like the place. The weather good, I guess. Yeah. Et bien, on se barre, je comprends rien. Demain, vous saurez tout sur le surf grâce à Stan, n'est-ce pas Stan? Ok, ben on va aller nous-mêmes sur Wikipédia. À demain.